beaucoup de vent là. Petit croisement de pont ici. Notre petite journée de chasse. Alors, je suis passé avec mon pote hier, on a été appâter le coin. On avait mis des ananas, un gros ananas coupé en plusieurs morceaux. Et ben, ça a été tout mangé pendant la nuit. Et puis, quelques maracuchas aussi. Donc on voit ici la partie qui reste. J'avais mis juste un maracuja parce qu'on avait gardé les autres pour demain. Là. Voilà l'autre partie ici. Et là on voit tout ce que je viens de jeter pour ce soir. Donc c'est là en place. Il y a aussi plein de morceaux d'ananas. Voilà. Il y a encore ici du maracuja. Voilà, je vais pas trop marcher dessus. Hein. Voilà de l'ananas là. Coupé en tranches un peu partout. On en a aussi ici. Voilà, encore un morceau ici. Et puis voilà, là on voit que ça a été mangé. Hein. Celui-là il a été mangé. Donc ça date de la nuit dernière. Et puis ici, sur le piquet, on met une tête d'ananas qu'on a bien pressée pour qu'elle coule, pour qu'il y ait du jus. Voilà, et donc j'ai refait un carbet, un affût, pardon, ici sur le plateau. Donc, voilà, parce qu'on voit bien, on est derrière un petit arbuste, donc on a un super plateau ici. Plein de vieux bois, une crique qui passe donc ici mais en bas, à peu près une vingtaine de mètres en dessous, et on va s'installer là pour la nuit. Voilà, ça continue. Bon, là c'est mon sac de bouffe, il va pas rester là. Voilà, tout le tour, on a vraiment un superbe plateau. On a de la chance parce que on a une belle journée. Je pense qu'il pleuvra pas ce soir. Voilà, on voit ici beau soleil bleu avec très peu de nuages. Voilà. Eh ben, je vais monter, mettre ma tenue de camouflage, m'habiller. Et puis on va attendre parce que ce matin en venant, on a eu la chance de voir deux agoutis traverser la piste. Évidemment, je conduisais, donc les fusils étaient dans les housses. On a vu deux agoutis, un qui est passé devant et puis le deuxième qui est passé entre les roues du 4x4, passé sous le 4x4, donc la mère et le petit. Et puis une belle tortue en venant ici, là. Donc voilà, apparemment la nuit s'annonce pas mal. On va voir ce que ça va donner. Mais bon, vu qu'on a pâté hier déjà et que ça a été mangé, il y a de grandes chances pour qu'aujourd'hui, les animaux reviennent, quoi. Bon, hop, allez, je monte là-haut et puis je mets la tenue camouflage. Je suis quand même un petit peu près de de l'endroit que j'ai appâté, c'est-à-dire à une quinzaine de mètres. Bon, c'est une bonne portée, mais voilà, quand on recule, voilà la distance, je suis pas très très loin en fin de compte. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Bon, là je suis installé. Alors moi, système d'attache, j'utilise ça, c'est pratique. Une corde avec une sangle.
Et puis je passe un petit bout de bois, c'est un bois sec qui fait 10-12 mm, bois dur. J'accroche mon hamac avec ça. Plan 4, ça marche très bien. Alors moi sur les Baïkal, je démonte les sécurités, hein, parce que j'aime pas trop. Donc il y a une sécurité ici, voilà, sur l'arrière qui se pousse et qui se tire. Moi je la démonte. Donc quand je referme, il a remis les préfère-feu. Il suffit simplement de tenir le levier, d'appuyer sur la détente et de baisser le levier. Voilà. La cartouche est dedans, le coup ne peut pas partir. Absolument aucun problème. Donc pour tirer, il suffit de... C'est pour ça que on voit souvent tripoter là cette partie. Il y a un petit bouton, là il est rentré. Si je fais ça, écoutez le bruit. Très léger. Là, le bouton sort, il est prêt à faire feu. Si j'ai pas tiré, je tiens. Pas bien de forcer, il faut le tenir simplement, retenir la détente, appuyer dessus et redescendre. Le bouton est en bas, le coup ne peut pas partir. Comme il y a un arrêtoir sur le marteau, même si le fusil tombe, etc., le coup ne partira jamais. Je trouve que c'est excellent au niveau sécurité parce que les boutons, au moment où vous voulez tirer, vous pensez que la sécurité est enlevée, vous appuyez, la sécurité elle est en place et vous loupez la cible. Et vice versa, j'ai vu des coups de fusil passer pas très loin des gens, parce que les gars pensaient qu'il y avait la sécurité, ils tripotent leur, ce qu'on appelle la gâchette, qui n'est pas la gâchette, la queue de détente, et puis le coup part tout seul. Là, il y a une balle dedans, une cartouche, mais on est désarmé. Je veux tirer, regardez bien là où ce qui se passe. Voilà, on a un petit bouton qui sort. Là, si j'appuie, ça fait feu. Si je ne veux pas tirer parce que mon gibier est parti ou parce que fausse alerte, j'en sais rien, je tiens légèrement mon levier donc d'ouverture, j'appuie et je redescends. Le bouton est descendu, je suis au repos, mon fusil est chargé, mais il n'y a aucun risque que le coup parte. Voilà, je fonctionne comme ça avec tous les Baïkal que j'ai un plein tiroir de sécurité, enfin de boutons de sécurité. Je les garde, bon, je sais pas pourquoi, hein. Si un jour je revends le fusil, je remonte la sécurité parce que je dis au moins, oui, il est vendu d'origine. Mais moi, j'aime pas ces boutons-là. Comme j'ai horreur des boutons sur le dessus, on sait jamais si c'est en avant, en arrière, non. Là, ma cartouche est dedans, mais le marteau est au repos. Il n'y a aucun problème. Pour tirer, j'ai obligé d'armer. Et quand je chasse, comme on l'appelle, à la biebode, enfin, on l'appelle à la poussée ici, c'est-à-dire en me baladant, j'ai toujours mon doigt qui traîne comme ça sur le dessus pour savoir est-ce que le fusil est armé. C'est tout. Quand je sens que mon doigt glisse sur le trou, ça veut dire que le fusil est arrêté. Il est arrêté, est au repos, le marteau est au repos, donc le coup ne peut pas partir.
de ma tête. Voilà, on est en train de préparer un beau feu de camp à 6h du matin, au moment de partir. Ça a l'air complètement idiot, mais vous allez comprendre tout de suite pourquoi. On a besoin de beaucoup de bois pour faire un gros feu. Donc on s'est mis au bord de la crique. Le jour commence juste à se lever, là c'est à peine 6h. Mais il faut qu'on s'y prenne assez tôt parce qu'on a une grosse journée devant nous qui se prépare. Ok, on va vous montrer ce qui nous est arrivé pendant la nuit. Disons, c'était quoi, 3h du matin, hein? Ouais, vers 3h du matin. Voilà, le feu est parti. Ah, il faut une bonne braise parce que on va mettre un petit steak haché dessus là. On va vous montrer ça tout de suite. Donc voilà ce qui nous arrive. Voilà pourquoi on fait un grand feu. Parce que hier soir on a un mail pourri, ce qu'on appelle un mail pourri ici, c'est-à-dire un tapir, qui est venu sur mon affût, en haut de la montagne. Il m'a surpris, hein. C'était 3h du matin, et je l'avais à 2 mètres de mes pieds, j'ai entendu du bruit, j'ai allumé la lampe, il était juste à côté de moi, donc voilà, j'ai tiré. C'est le premier que je tue en 30 ans, mais bon, voilà, c'est bientôt Noël, hein. Donc on va remplacer la dinde par du steak de maille pourrie. Et donc, bon, on va se dépêcher là, de le brûler, et puis de le... On va le gratter, le couper en morceaux avant qu'il fasse soleil, là c'est 6h30. Il faut qu'à vers 8h30 on soit parti. Hein. Donc on va faire ça rapidement. Et puis voilà quoi. On a une bête là qui fait, je sais pas, entre 120 et 150 kg. Bon, il n'est pas énorme, mais c'est un beau papa quoi. Il y a de quoi manger dessus. Hein. On a ma main sur le ventre hein, pour avoir une échelle. C'est quand même du costaud. Quoi. Alors il lui a fallu quand même 6 chevrotines hein, pour qu'il tombe. Hein. Enfin, la chevrotine 410 évidemment. Et donc notre ami Vincent l'a fini ici. C'est à l'endroit où il est tombé exactement. Il a fait tout le tour de la forêt. Il m'a amené dans les marécages, tout ça. Et puis il est revenu mourir devant la voiture. Donc on n'a pas le porté, ne serait-ce que le traîner jusqu'à la crique pour pouvoir le nettoyer. C'est vraiment... bon, c'est courant hein, chez les gros gibiers, biches, maille pourrie, tout ça, quand ils prennent du plomb, généralement ils font un tour et puis ils reviennent vers la lumière. Je ne sais pas pourquoi, et ils viennent... c'est comme ça qu'on les attrape, généralement. Ok, bon, ben on va se mettre au boulot, et puis on va préparer ça. Allez. Allez. Voilà, le milieu est bon. On va le bouger pour faire un peu son arrière-train. Et puis la tête.
Elle va sauter. Hop. Allez, vas-y. Hop là. Ça a été vite, hein. Attends, je vais essayer de voir si elle a pas un autre. Il y a trois qui passent. Et des fois, ils sont une vingtaine, hein. Et ah si, en voilà un autre, en voilà un autre. Attends, je vais couper le moteur, ça va le...